On peut désormais passer euh, à une super nouvelle et surtout à, euh, à Apex. Voilà, je vais vous donner un petit peu de contenu qui s'est passé lors de ce major avec une interview d'après-match d'Apex. Un petit peu tendu. Un petit peu tendu. Premier degré, second degré. Là-dessus, je vous laisse vous faire votre avis parce qu'il euh, arrive à l'analyse desk et il clash tout simplement notre ami Pimp. this is not a roster that is coming into the major right now as one of the favorites to make it deep you know if they can go to the playoff that in itself would be i think a victory for vitality but It's looking rough. Voilà, donc là on a déjà 10 secondes de pimp qui dit, pour moi, Vitality, euh, c'est compliqué, c'est fragile, euh, si déjà ils se qualifient pour le Major, c'est déjà beau, s'ils arrivent à espérer aller au playoff, c'est magnifique, c'est pas une équipe qui va aller chercher le titre. Et donc euh, voilà ce qu'il dit, et là je crois que le Dan, il a l'oreille qui siffle, et derrière il va se réveiller et le clasher salement. We do have Apex with us, uh, so Mathieu, you're going to be able to ask him a couple of questions. Hello Apex, congratulations. Hello, thank you. I just want to ask Pimp how many tournaments one is career. It's really important <laughs> for me. Zero. Uh, okay, thank you. Voilà, donc là on a Apex qui dit, moi ce que j'aimerais savoir, c'est euh, j'ai juste une question les amis, combien euh, j'ai une question pour Pimp, combien de tournois il a gagné dans sa carrière. Et là il fait un grand zéro avec ses doigts et hop là et le petit regard un petit peu menaçant de Dani Dan Apex Madescler le capitaine de Vitality champion de major je le rappelle Dreamhack Cluj Napoca en Roumanie 2015 voilà donc euh, respectons les anciens Re euh, les anciens il est toujours en activité mais ouais. respectons le, le palmarès messieurs dames euh, c'est tout ce que j'aime moi sachez que je suis friand de cette euh, je suis friand moi je moi 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 je me nourris moi je me nourris de ça sachez que moi là je vois ça je j'ai des frissons sachez-le que moi je, je prends une Énormément de plaisir à me nourrir de la haine. Sachez que moi j'adore ça. Maintenant, euh, peut-être, peut-être qu'il y a des gens qui diront qu'il y a un peu de toxicité derrière, que bon, euh, on se calme, on se calme, on est tendu. Mais moi j'ai kiffé. Bon, suite à ça, parce que ça c'était le début de l'interview entre guillemets, derrière on lui a posé beaucoup de questions à Dan et euh, il a répondu de beaucoup, euh, avec beaucoup de sincérité qu'on lui connaît. Vraiment, on sait que Dan c'est quelqu'un qui a pas sa langue dans sa poche et euh, il assume totalement euh, ses convictions, ses idées. Et euh, derrière, euh, bah, j'ai aimé son interview. Je l'ai traduite, je l'ai traduite et je vous ai donné euh, des petits trucs intéressants. Euh, donc après, euh, après euh, c'est à ce moment-là, on lui demande pas mal de choses et il répond, nous n'avons pas bien joué. Merci au Hero Play de Ziwoo et euh, Madisk, on doit step up. Donc je le rappelle que ça c'était juste après la qualification, donc le match contre Moose est vraiment... Euh, le niveau collectif est fragile, la maîtrise des cartes, la maîtrise du rythme euh, et des tactiques, des stratégies est assez fragile, très honnêtement est assez fragile. Si on a pu espérer, si on a gratté notre ticket, euh, bon c'est l'histoire, on est qualifié, on est qualifié. Mais maintenant, si on devait vraiment zoomer un petit peu au microscope sur les erreurs et ce qu'il faut corriger très vite et tout, clairement, si Vitality s'est qualifié, c'est clairement grâce aux grosses individualités qui se sont réveillées. Attention les amis, il faut des individualités. Hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas des individualités. Il faut une maîtrise du collectif. Il faut une maîtrise stratégique. Il faut gérer son rythme. Il faut gérer son économie. Une partie de CSGO, ça se gagne de plusieurs manières différentes, bien, bien entendu. Mais la première, c'est quand même de mettre des headshots et d'être réveillé individuellement. Ça fait très longtemps que je voyais Majisk un peu fragile ou qu'on avait vraiment que Zibou et Dupré qui étaient forts. Il y avait que ces deux mecs-là qui étaient un peu réveillés depuis janvier entre guillemets. Et encore, on n'a pas eu un Zibou stratosphérique depuis janvier. Hein. On a un Zibou. Euh... On a un zibou, il est sur le serveur, il est là, il fait son taf. C'est tout ce qu'il fait. On n'a pas eu un zibou euh, grotesque comme on a l'habitude d'avoir. Là, on, a, on les a eu réveillés, donc là, c'est ce qu'il dit en tout cas. On a eu du mal à finir les matchs contre FaZe, Navi et Mouse. Voilà, donc contre Navi, il y a eu du 16-13, 16-13, contre FaZe, il y a eu du 16-14 et contre Mouse, on a vu encore des scores serrés. Là-dessus, moi, je suis pas d'accord avec lui. J'ai trouvé que contre FaZe, contre Navi, il y avait une meilleure maîtrise euh, de la part du collectif de l'adversaire. Et surtout des individualités un peu trop fragiles et un peu trop euh, timides du côté de Vitality. Mais euh, ça, c'est son point de vue. Je le respecte totalement. Je ne vais pas aller euh, à l'encontre du champion de Major. Parce que sinon il va me dire qu'est-ce que j'ai gagné. Moi dans ma carrière euh, Des LAN en France voilà, C'est tout ce que j'ai gagné On s'est amélioré C'est la première fois Qu'on gagne Mirage On devient de plus en plus fort Voilà il nous répète ça On ne mérite pas de gagner Contre Navi ou Face, On jouait mal à Katowice Mais on s'améliore Ah voilà c'est bon Il le dit quand même J'avais oublié quand même On a deux semaines encore Pour aller plus haut Oui je le rappelle Que entre les phases De qualification Des poules A et poules B Du Major Et le début du Major D'accord euh, Du euh, C'est quoi C'est le Challenger Stage, ça c'est le Challenger Stage, donc les phases de poule du Major. Il y a deux semaines de préparation encore pour euh, retravailler un petit peu des trucs, ça va faire du bien. Euh, Dupré, depuis le début, est monstrueux. Voilà, il pointe également la bonne forme de Dupré. Euh, il dit aussi que Madisque est extrêmement fort sur Mirage. Euh, il dit que ça a été le qualifier le plus difficile de toute sa carrière. Et franchement, je, je tiens à, à valider ce point-là parce que sur le qualifier, c'était la poule de la mort. Ils ont affronté Face, actuel numéro 1 mondial, je crois. Navi, numéro 2 mondiaux. Euh, Mouse, qui sont en grande forme. Vraiment en grande, 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 grande forme. Dinitas, ça pas sous-estimer. Hein, des joueurs de grandes expériences avec Forest et ce genre de choses. Et Eternal Fire, qui est allé chercher son ticket également. Les Turcs, euh, du Firepower, plus à plus savoir qu'en faire. Et ils les ont joués sur des deux. Une map, quand même, euh, qui laisse s'exprimer un petit peu euh, tout le talent de ces joueurs-là. Euh, je devais tout calme avant. Micromanager. Aujourd'hui, non, avec ces joueurs. Donc là, je vais vous expliquer la différence qu'il y a entre des Dupré et des Mad et des Kyojin potentiellement et d'autres joueurs même comme RPK hein, que vous pensez très expérimenté et tout mais RPK c'est quelqu'un qu'il faut micromanager parce qu'il n'a pas l'intelligence il n'a pas le QCS l'expérience d'un Dupré par exemple ou pas forcément l'expérience mais le le QCS d'un Dupré euh, que aujourd'hui en fait voilà on lui a posé la question sur comment ça se passait stratégiquement etc et il dit que voilà qu'il devait tout call avant tout call pardon avant et que aujourd'hui il, il ne il devait euh, tout call avant tout micromanager qu'à l'heure actuelle c'était plus du tout le cas qu'il avait de l'autre Autonomie, etc et qui devait trouver euh, son identité de jeu qu'il devait implanter des stars dans son système de jeu et que c'était très difficile que bah, justement il n'a pas l'habitude et que ça prend un peu de temps justement bah, de, 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 de laisser un peu de liberté d'autonomie de libre arbitre à ses joueurs et de leur faire confiance pleinement euh, il dit également et là c'est très important je ne pense pas qu'on soit au niveau de phase ou de navi on a fait un bootcamp camp on travaille énormément on s'améliore on trouve notre identité notre focus on est là dessus petit à petit on va avoir Avancé, on verra comment cela se passe cela se passe pour win ça le major ça va être dur donc voilà il est clair il est quand même assez, euh, il est quand même assez clairvoyant là-dessus euh, il a les idées claires euh, et je pense que les français n'ont pas ces idées claires euh, de mon côté en tout cas moi je le vois sur les réseaux sociaux je trouve qu'on est vraiment dans une bulle en France et c'est vraiment dommage. Oui, Vitality n'est pas au niveau de Face, de Na'Vi, de G2, de, euh, même de NiP à l'heure actuelle, euh, selon moi. Euh, mais ils travaillent, ils s'améliorent et je ne pense pas que Vitality est un contender pour le, euh, pour, le major, pour le titre du Major. Mais attention, Vitality n'est jamais meilleur. Les Français ne sont jamais meilleurs que quand ils ne sont pas attendus. Les Français ne sont jamais meilleurs que quand ils sont, euh, entre guillemets, dans une période de fragilité. Les Français ne sont jamais meilleurs que quand ils sont vraiment dans des euh, dos au mur en fait et donc euh, pour moi c'est c'est un bon signe de vie c'est un bon signe de santé de cette équipe là merci infiniment à toutes les personnes qui s'abonnent les gars vous avez toute ma gratitude et mon amour euh, donc euh, voilà l'interview d'apex euh, criante de vérité beaucoup de clairvoyance euh, les idées claires la tête froide j'aime beaucoup